Est déjà une église, surtout qu'il y a aussi un homme de Dieu là présent. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu et recommander le reste de notre programme entre les mains du Seigneur? Prions au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous te disons merci. Et tout ce qui se passera, Seigneur, en ce lieu, soit sous la conduite du Saint-Esprit. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable, je les déclare nul et sans effet. Et je recommande toutes choses entre tes mains au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Je ne vais pas vraiment abuser de votre temps. Je vais demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me lire la Bible. À partir du verset 21, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Mon nom, voici le nom, c'est le nom de l'émission que j'ai toujours présenté et qui aujourd'hui ce n'est pas seulement une émission, c'est devenu même une chaîne de télévision. Amen. Amen. Voici le verset de la Bible. Amen. Amen. Quand Pilate a présenté Jésus, il a dit, et tu es au moins la tête, il veut dire voici l'homme. C'est que dans mon émission, je présente plus l'homme de Jésus au public. Amen. C'est comme ça qu'on va me surnommer, voici l'homme. Je suis pasteur de la communauté Aseka, et précisément dans la commune de Kinshasa, 6 Kalimbelembe 72, croisement plateau. On est ici, c'est pour
la cérémonie du mariage. Le mariage, c'est la parole de Dieu. Le mariage, c'est la première des institutions du monde. Et c'est Dieu qui a institué le mariage depuis le jardin d'Éden. La Bible dit au commencement, après que Dieu ait créé toutes choses, il fallait maintenant qu'il puisse créer l'homme. Il fera maintenant passer tous les animaux des champs, les oiseaux, toutes créatures devant l'homme, pour toutes créatures passer devant l'homme, et l'homme donner les noms jusqu'à la fin. Mais dans tout cela, bon, que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide de ses côtes, et référant la chair à sa place, avec la côte qu'il avait prise de l'homme, Dieu va former la femme. En Genèse, on dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et après, on dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va faire tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prendra une de ses côtes. Et cette fois-ci, on ne dit pas, il créa la femme avec la côte, mais on dit, il forma la femme. C'est que la femme et l'homme avaient été créés au même moment. Ça, c'est une précision que je voulais te donner. Et après, Dieu prendra la femme qu'il va cacher dans l'homme pour attendre le moment venu. Amen. C'est pourquoi nous disons que le mariage, c'est un mystère. C'est que même tous les célibataires, les frères qui se promènent ici, en eux, ils portent leurs épouses. Oui. Et cela attend le moment venu. Aux États-Unis, en Afrique, je ne sais où, mais tel que tu te promènes là, tu fais partie d'un homme qui vit quelque part. Et cela attend des versets. Adam veut verser la dot. Vous avez l'information? Et quelle était la dot? Il avait donné la côte. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Donc la femme elle provenait d'une côte qu'Adam avait perdu. Ça a été la dot. De la même façon, c'est que la Bible nous dit, je suis jaloux de vous du fait que je vous ai fiancé à un seul époux. Notre époux, c'est qui? C'est Christ. Christ nous a... Comment on est devenu épouse de Jésus? C'est parce qu'il a payé un prix. Le prix, c'est quoi? Le sang qu'il a fait couler. C'est ça la dot que Christ a versé pour l'Église, qui est son épouse. Donc, c'est qu'avant que je puisse bénir le mariage, j'ai d'abord besoin du témoignage de la famille de Maman Linda. Est-ce qu'il y a quand même un témoin de la famille de Maman Linda dans cette salle? Un seul témoin. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ça ne vous dérange pas? Mais je suis le chef de la famille. Le chef de la famille? Oui. Vous reconnaissez que la dot avait été versée? Intégralement. Pardon? Intégralement. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Et vous me donnez la permission de venir le mariage? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, papa. Oui. Quelle est la question? Oui, je voulais savoir, vous êtes du côté de l'homme, du mari. Oui, effectivement. Effectivement, merci. Oui. Vous reconnaissez ce qui s'est fait maintenant? Oui, totalement. Vous connaissez la sœur comme l'épouse de notre frère Magilin? Oui, maman Linda est l'épouse de Magilin. Si j'ai béni le mariage, la famille est d'accord? Parfaitement, la dot a été complètement et parfaitement versée. Et toutes les formalités ont été faites dans les normes les plus correctes. Que Dieu vous bénisse, papa. Vous pouvez vous asseoir. Je disais cette question, l'Église ne vient que pour constater et après recommander à Dieu. Dire ceci, comme la famille est d'accord, et que maintenant l'État aussi est d'accord, nous, hommes de Dieu, nous venons que pour faire quoi? Pour bénir. C'est ça le travail que je vais faire ce soir. Amen. Amen. Ça ne demande pas beaucoup de cérémonie. C'est la prière, c'est une déclaration. Recommander ce couple au Seigneur, demander à ce que la grâce de Dieu puisse les accompagner toutes leurs vies sur la terre.
Amen. Amen. Que même les enfants puissent vivre la bénédiction. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Que je puisse bénir ce mariage. Amen. S'il vous plaît, là, je vais demander à toute l'assemblée si vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Et je vais aussi inviter le couple à se mettre debout. Parce que là, nous voulons passer à la prière. De mariage. De mariage. Amen. Oui, j'ai besoin d'un deuxième micro. Là, je vais commencer d'abord par notre frère Magine, puisque c'est l'homme, c'est l'église. Est-ce que vous connaissez Maman Linda? Oui, accepterez-vous de la prendre comme épouse toute votre vie? Oui. Amen. Promettre à notre maman l'amour? Oui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et à la maman, on a demandé quoi? La soumission. Femme, soyez soumise à vos maris selon le Seigneur. Est-ce que tu peux promettre à ton mari la soumission? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Derrière vous, je vois, il y a les parents. Il faudrait qu'ils soient aussi témoins. Parce qu'un jour, que ce soit pas ou non, si je savais, et d'ailleurs, je regrette. Maintenant, tu parles avec ta conscience en place. Est-ce que tu peux encore reprendre? Tu peux promettre la soumission à ton mari? Oui, je le promets. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Là, je vais demander au couple de se mettre à genoux. Je vais maintenant prier pour vous. Nous tous. Je vais prier. Dans les personnes en préhension, dans les noms puissants de Jésus, les planètes qui forcent, maladie, tout ce que le diable peut amener, un jour pour détruire, pour dissoudre ce mariage, je le déclare et sans effet au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez féconds, et puis remplissez la terre. Amen. Le frère va regarder sa femme. Vous allez regarder votre femme. Amen. Amen. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Devant les deux familles réunies et tous les témoins qui sont là présents, et à ma qualité, le ministre de Dieu, je vous déclare marié. Tu peux maintenant embrasser ta femme et lui donner un baiser officiel. Gloire au Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'avais dit qu'on était à l'église, n'est-ce pas? Merci Seigneur, parce que tu as été au rendez-vous. Je te recommande la suite du programme entre tes mains. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.